Yo les potes, c'est une nouvelle boutique du 18 avril 2021. Alors, on a le pack Princesse Petula. Le nom est un peu claqué, mais c'est pas grave. Du coup, le petit skin Poiscaille version meuf. Voilà. Il est très moche, mais c'est pas grave, c'est un skin drôle. Je jouerai jamais, je pense. Le petit sac à dos, il est pas mal. Je pense que je le mettrai de temps en temps. La pioche, ah, elle est bof. Et le petit revêtement qui est moche aussi. Donc clairement, un pack que plusieurs personnes attendaient, mais c'est pas ouf. Ensuite, on a tous les skins Poiscaille. Donc celui-là qui a une variante World Cup, mais trop tard, c'était avant. Si vous l'achetez maintenant, vous n'aurez pas la variante. Moi, je l'ai déjà. Le corail volant fait du sang. La pioche porte-botte. L'outil de collecte qui est du skin poisson assassin. Donc qui n'est pas ici, c'est un pack. Les petits revêtements du Poiscaille. En bas, on a tous les autres Poiscailles. Donc, le Poiscaille d'Atlantis auprès de 1200. Sa pioche. Le Poiscaille de guerre au même prix. Le revêtement avec le petit skin Actini. Parce que c'est un petit truc en rapport avec l'eau. Les pioches visqueuses que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont un flow. Ok. En bas, on a encore plein de trucs sur la mer. Donc, Astéri auprès de 1500. Sa pioche. Ok. Le planeur, qui est assez drôle, je trouve. Hop, des petits skins de sushi. Ok, la fille et le garçon. La pioche, qui est assez stylée. Et le sushi volant. En bas, les objets à la une. On a Agent du Chaos, la faux du Chaos. Le petit revêtement noir visqueux, qui est très stylé. Victoria, ok. Sa pioche. Le skin Mir, sa pioche. Et son revêtement. Ok. Ensuite, dans la boutique quotidienne, on a le petit skin Fléchette qui a 3 customs. Que j'ai toujours pas ce skin. J'achèterai un jour, je pense, parce qu'il est quand même en vrai pas trop mal. Il est assez rentable. Le skin Radieuse auprès de 800. Hit It. La danse Mise qui commençait à se faire un petit peu rare. Dommage qu'elle ressorte. Docrolé, pareil. Une danse qui était assez rare. Et pour finir, Tada au prix de 200 E-Bucks. En bas, on a toujours les packs. Et voilà. Oh merde, putain, j'ai acheté le pack sur mon code créateur. Parce que le code créateur, il s'enlève au bout de 2 semaines. Et c'est vrai que quand tu regardes pas, tu fais pas attention. Bref, du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NC dans la boutique Fortnite pour m'aider parce que bah là, j'ai perdu un peu de V-Bucks. Ciao!